Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Éduquer nos enfants différemment. Quand on parle de parentalité positive ou d'éducation bienveillante, on nous rétorque souvent que c'est bien beau tout ça, mais que c'est pas naturel d'agir comme ça avec nos enfants. Par exemple, je prends l'exemple de ne pas récompenser les enfants. C'est quelque chose, c'est vrai que on en parle souvent en parentalité positive, on préfère encourager plutôt que de féliciter pour ne pas que l'enfant déjà fasse les choses pour nous faire plaisir, mais qu'il fasse bien les choses pour lui, pour sa propre satisfaction. Et puis bon, il y a d'autres notions derrière, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais souvent les parents, certains parents vont rétorquer que pour eux, ne pas féliciter leur enfant, ne pas le récompenser, c'est quelque chose d'anti-naturel et qu'on leur demande du coup de ne pas être eux-mêmes finalement avec leur enfant. Et alors ça, moi je comprends complètement, tiens je vais aller m'asseoir, je comprends complètement moi ce besoin et enfin il est légitime d'avoir besoin d'être sincère et d'être spontané avec notre enfant, d'être nous-mêmes. On ne va pas se mentir à nous-mêmes, on ne va pas mentir à notre enfant. Il faut agir de manière spontanée, de manière vraie avec notre enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais par contre, il y a une grande différence entre ce qui est naturel et ce qui est habituel. Et c'est là que tout se joue. Et c'est Marshall Rosenberg, le gourou de la communication non-violente, qui en parle très bien. Et il cite Gandhi d'ailleurs à ce propos, qui disait qu'il ne faut pas, tomber dans cette confusion entre ce qui est naturel et ce qui est habituel. Ce qui est naturel, c'est ce qui est inné à l'être humain, on va dire. Et ce qui est habituel, c'est tout notre conditionnement qui fait qu'on pense comme ça, qu'on agit comme ça, etc. Et cette distinction, pour moi, elle est essentielle parce que il faut bien se rendre compte qu'on a été façonné par notre éducation, par les parents aussi autour de nous, par la société qui veut qu'on agisse de telle ou telle manière avec notre enfant, qui nous met en tête dès tout petit une certaine vision de l'éducation, une certaine vision de l'enfant. Et cette vision-là, elle n'est pas forcément bonne, elle n'est pas forcément vraie, mais en tout cas, c'est celle avec laquelle on a grandi, avec laquelle on s'est construit. Donc, elle nous conditionne, elle conditionne nos comportements. Et par exemple, la punition, c'est quelque chose qui est normal, qui est complètement accepté dans la société, en tout cas en France, mais partout aussi, aux États-Unis, partout. Et partout, dans beaucoup de pays, on va dire. Et donc ça nous paraît quelque chose de complètement normal, donc c'est quelque chose d'habituel, mais c'est pas forcément quelque chose de naturel. Un parent d'ailleurs, la preuve, c'est que souvent quand il punit son enfant, il le fait un peu parce qu'il se sent forcé, parce qu'il se dit que c'est comme ça qu'on l'éduque, mais c'est pas forcément quelque chose de naturel, il le fait d'ailleurs parfois à contre-cœur. Donc voilà, la punition, c'est devenu quelque chose d'habituel. C'est quelque chose, tout simplement, qu'on fait sans se poser de questions, qu'on ne remet pas en question, et on le fait parce qu'on a été conditionné comme ça, encore une fois. Et pour changer ça, justement, pour changer notre vision de l'éducation, pour changer notre avis sur les punitions, etc., eh bien, déjà, c'est un travail qui est difficile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. C'est vraiment difficile de se déconditionner après des années de conditionnement. Mais déjà, c'est un travail intéressant de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à... de distance, en tout cas, de remettre en question certaines choses. Je trouve que c'est un travail qui est intéressant, plutôt que de faire des choses comme ça, avec des œillères, sans se poser de questions. Donc c'est possible de se déconditionner, mais par contre, c'est difficile, c'est clair, parce que punir son enfant, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement accepté et qui est complètement validé par tous autour de nous, par nos parents, par l'éducation qu'on a reçue, par les parents autour de nous, etc. Donc dès qu'on va changer justement de mode de fonctionnement, si on ne punit pas notre enfant, mais qu'au contraire on est plutôt à l'écoute et qu'on a donc un comportement qui est différent, ça risque de choquer en fait, parce qu'on ne fait pas comme la majorité, on ne fait pas comme les autres, donc forcément on va être peut-être un peu regardé, peut-être pointé du doigt, peut-être critiqué. Donc c'est en ça aussi que sortir de notre conditionnement, de ce qui est habituel, c'est en ça que c'est compliqué finalement. Donc oui, c'est difficile de remettre en question nos habitudes, de changer nos habitudes, mais c'est possible.
Par contre, ce qui est naturel, là, c'est très compliqué, voire impossible à changer, parce que c'est inné, parce que ça fait partie de nous. Ce qui est habituel, on peut, en remettant en question nos idées reçues sur l'éducation, sur les enfants, c'est possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait un petit carnet sur les 6 grandes idées reçues sur l'éducation et sur les enfants, que je t'invite à télécharger en cliquant au-dessus ou en dessous de l'écran, parce que c'est la base en fait pour commencer à changer nos habitudes, commencer à changer notre vision de l'enfant, de l'éducation, de la relation parent-enfant, parce qu'on est... Il y a plein de choses qui nous paraissent habituelles et qui pourtant sont erronées sur l'enfant. On pense savoir quels sont ses besoins, etc. Parce que c'est ce qu'on a reçu, et pourtant on voit bien que la relation généralement entre parents et enfants peut être améliorée. Elle peut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus belle, à condition de faire ce gros travail. Ça demande beaucoup d'investissement de notre part, mais c'est possible. Donc je t'invite à télécharger ce guide, à le lire, à le re-relire, et puis aussi à regarder les vidéos sur Horizon Famille, à regarder, à lire, à t'investir dans la lecture aussi de beaucoup d'ouvrages sur la parentalité positive, l'éducation bienveillante, parce qu'il y a énormément de vérités qui sont dites. On a besoin d'être accompagné quand on veut commencer à changer l'éducation qu'on donne à notre enfant, et quand on veut commencer à changer notre vision de l'éducation. Il y a beaucoup d'aide sur Internet, sur la chaîne Horizon Famille, mais aussi dans beaucoup de livres qui sont publiés. Donc je t'invite vraiment à télécharger ce petit guide, et puis à commencer à t'investir là-dedans si tu veux changer ta relation avec ton enfant, et si tu veux l'améliorer pour qu'elle soit beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine et beaucoup plus harmonieuse. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille. Ciao !